professeur Didier Raoult, il n'y a plus de queue devant l'IHU Méditerranée Infection. Comment l'expliquez-vous? Alors, le nombre de cas diminue régulièrement, mais c'est pas ce qui explique cette modification majeure. Toutefois, on voit, vous voyez, que la courbe des nombres de gens prélevés diminue, le nombre de cas détectés, vous voyez, est de plus en plus faible. Quant à ceux qui sont hospitalisés, ils sont très bas, et on confirme les données de l'assistance publique, où vous voyez, le nombre de personnes hospitalisées en réanimation est passé de 50 à 43, et le nombre de personnes hospitalisées diminue de manière aussi très, très, très significative. Donc, il y a une diminution du nombre de cas, mais surtout, au fur et à mesure, on a mis en place une organisation tout à fait extraordinaire avec nos amis de l'assistance publique, qu'on va vous expliquer pour comprendre comment on est arrivé à éponger cette foule énorme qui vient se faire prélever tous les jours, de façon à ce qu'on gère au mieux les demandes des personnes qui sont autour. Et comme les savonnettes qui sont proposées ne détectent pas vraiment les gens positifs, il faudra bien qu'on continue à faire de la PCR aussi. Merci. Le suivi des patients Covid, il faut aussi être une énorme part de notre activité actuellement. Parce qu'il y a quelques jours, on recevait une centaine de nouveaux patients par jour. C'est en train de baisser nettement. Depuis quelques jours, on en reçoit une cinquantaine par jour.